Alors, se poser la question des bons réflexes pour choisir sa techno de boat aujourd'hui, c'est une question légitime. Parce qu'on est sur un marché qui est naissant, on a beaucoup d'acteurs, on a beaucoup de use cases qui sont couverts. C'est parfois un petit peu difficile de s'y retrouver. Pour moi, il y a vraiment quatre réflexes à avoir, quatre bonnes règles à suivre. La première, c'est de savoir de quoi on parle. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle de boat. Il ne faut pas confondre les deux. L'intelligence artificielle va venir doper le boat en le rendant plus performant via le traitement automatique du langage. Et tous les chatbots ne sont pas intelligents et c'est deux choses différentes. Ensuite, la deuxième, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on va faire un boat, quel use case on va couvrir, quel périmètre, quel canal, à quel parcours on va l'intégrer. La troisième règle, ce serait de prendre le réflexe de voir au-delà du fonctionnel. On veut traiter son use case immédiat, mais derrière, il faut essayer de penser un peu plus long terme pour éviter de faire des boats en silo, bien anticiper la charge métier qu'il va y avoir derrière, et puis anticiper ses coûts sur le long terme. La dernière règle, ça va être du coup de penser une conversation qui est sensée. C'est la clé de l'expérience utilisateur. Un bot, c'est une interface conversationnelle. Et du coup, il faut vraiment avoir le minimum. Le bot me comprend, il m'apporte une réponse. Et c'est ces enjeux-là qui sont clés. On a des acteurs qui couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur. Et on a des technos qui vont se spécialiser sur une des briques en particulier. Il ne faut pas s'interdire de faire appel à eux pour rendre le bot un peu plus performant sur ce qui est essentiel par rapport à son use case.